Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Vous connaissez cet endroit, tout le monde le connaît, je pense, hein, à force. Aujourd'hui, on est avec Clément. Salut à tous. Comment c'est Clément? Alors, déjà, Clément, on rappelle un truc, il joue avec nous depuis 2016-2017, je crois. 2016-2017, ouais, imaginez-vous. Ça date maintenant, ouais. On est en 2022, les gars, ça fait très très longtemps. Très ancien d'ailleurs. Et du coup, pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo avec lui où j'ai été. Je te rappelle que j'avais ma RS3. Je suis venu récupérer, je suis venu avec la RS3, les gars, au lycée. La vidéo elle avait pas mal marché, les gens avaient bien kiffé. Il m'a fait une petite surprise, il m'a dit écoute, parce que c'était quand? C'était il y a très longtemps. Avant le Covid et tout, ça fait 2-3 ans. Au moins déjà. En 2-3 ans, il a eu le temps de se construire, le petit Clément. Bah oui, forcément, c'était un petit bébé. Et là, il nous a ramené. C'est moi, je viens te chercher. Il nous a ramené son petit bébé. C'est ça. Voilà, donc il va me donner sa voiture pour une journée. On va tester sa voiture, on va voir ce que ça donne. Et c'est ma première fois en Golf GTI. Je vous montre la voiture tout de suite. Bon les gars, du coup voilà la bête. Clément va nous faire une petite présentation pendant qu'il va conduire, hein, parce que je pense qu'il va conduire en premier. Du coup, dis-moi, t'as quel âge toi, Clément? Moi, j'ai 19 ans là. 19 ans. On va voir la petite présentation de Clément dans la voiture. On va rentrer dedans, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique. Alors moi, je vous le dis, c'est la première fois que je vais conduire une Golf GTI. Hein. J'ai jamais conduit. Je suis déjà monté dans une Golf, parce qu'il est venu me chercher. Mais avant, j'avais déjà conduit la. Enfin, j'avais déjà conduit. Je suis déjà monté dans la même. Mais disons que j'avais jamais pu tester quoi. J'ai fait une petite accélération là pour voir déjà ce que ça donne. Ah ouais, c'est quelque chose. Stop. T'aurais dû tourner à droite, mais c'est pas grave. On part. Ah oui, Clément il rigole pas, les gars. C'est du direct, hein. Clément, c'est du direct. Direct. C'est du direct. Elle est chaude en plus. Alors vas-y, va à droite. Ouais, du coup, on l'a bien chauffé avant un peu. La même façon, lui il est venu à Nancy, donc en même temps on est pas mal. Oh là là, je kiffe cette voiture. Bon, du coup Clément, alors on a des petites questions à te poser forcément. Forcément. Hein, nous qui sommes amateurs de voitures, la question qu'on va te poser déjà c'est du coup qu'est-ce que c'est comme Golf? Alors c'est une Golf 7 GTI TCR. Ouais. Elle est limitée à 100 exemplaires en France. 100 exemplaires? Ouais, 200 dans toute l'Europe. 200 dans toute l'Europe, oh là là, magnifique. Et du coup c'est la phase la plus poussée de la GT. En gros elle fait 290 chevaux, c'est la GT la plus puissante. Ah oui, quand même, 290 chevaux les gars, sur une Golf c'est magnifique. Alors moi je vous le dis, je m'y connais pas trop en Golf, hein, parce que vraiment c'est vraiment la première fois que je vais conduire, je vais la tester après. Vas-y, va tout droit. Et du coup, alors t'as quel âge? Du coup 19 ans. 19 ans comme tu nous as dit au début, ok. Exactement. 19 ans voir une Golf les gars, c'est quand même beau. Alors tu l'as acheté cash ou crédit? Cash. Cash, c'est du direct, hein. Ça rigole pas chez Clément. Voilà, donc Clément il a travaillé pour s'acheter ce magnifique bijou. Alors on peut. C'est vrai, quand on veut on peut. Le budget à peu près de la voiture? Le budget, ouais, dans les 35. Dans les 35, mais voilà. 35, ouais. Je sais pas comment tu l'as acheté toi. Moi je l'ai acheté 39 et quelques parce que du coup elle avait 15 000 km quand je l'ai eu, elle était quasi neuve. 39 et quelques, ok, 39 et quelques. À peu près le budget pour ceux qui veulent savoir, une Golf GTI c'est à peu près combien? Mais c'est une TCR, attention. Ouais, parce qu'il y a Golf 7 GTI que j'avais déjà conduit, que je suis déjà monté sur une Golf 7 GTI. Mais une TCR c'est la première fois, je savais même pas que ça existait déjà TCR, donc pour pas vous mentir. Est-ce que tu peux chauder gazelle un peu ou pas du tout? Ah, c'est un attrape-meuf. C'est un attrape-meuf. Je sais qu'il y a beaucoup, de gens, mais vraiment beaucoup qui kiffent les gars, ouais, Golf ouais. 7. C'est abusé. Alors moi personnellement, je vais pas te mentir, j'ai jamais été fan des Golf. Ouais. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc c'est pas que j'ai été fan, c'est jamais eu l'occasion de tester. Ouais, parce ouais. que moi, pour moi, honnêtement, en 2022, les plus belles voitures, ça reste la RS3. Non. Moi pour moi c'est la A45S AMG. Ah. Enfin, niveau budget là à peu près, parce que là en termes de budget, c'est vrai que. Alors j'ai déjà roulé ça. Pour 39 000, bon non, quoique tu peux pas trop avoir une A45S. C'est un peu plus cher, non, je pense. Peut-être une A35S à la limite. Ouais, A35 ouais peut-être. C'est magnifique. Bon, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors attendez. Donc du coup, dis-moi un peu les équipements que t'as dessus là.
Alors elle est full up, hein, donc on est en ville, on va éviter de rouler à fond en ville. C'est ça, donc elle est full option, donc il y a, bah, y a les palettes, hein, pour passer les vitesses. Ouais. Il y a l'Apple CarPlay. CarPlay, alors ça c'est magnifique, CarPlay. Moi j'ai Virtual Cockpit, tu vois. Je l'ai aussi le CarPlay. Boîte auto, forcément. Hein. Boîte auto DSG. C'est une essence, c'est bah, logique, hein, 290 chevaux. On met du 90. Toi ouvrant, vas-y, on voit le temps. Voilà. Voilà. Direct. Donc là, y a, tu vois, c'est le cockpit, hein, donc c'est le virtual cockpit. Il n'y a plus d'aiguille. Voilà, il n'y a plus d'aiguille. Hein. C'est tout se fait. Tout se fait direct, c'est du direct live. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a quoi d'autre comme les modes, t'as quoi comme mode? Donc les modes, on en a plusieurs, hein. Donc on a donc le mode éco, vraiment c'est rien. Individuel, c'est le mode... Individuel, ouais, c'est toi qui choisis en fait tous tes paramètres. Si tu veux le châssis en sport, le mode confort, le mode normal. Le mode normal, c'est pour le mode autoroute. Ok. Et sport, bah c'est... Alors moi, la question qu'il a posée, c'est vrai, une Golf 7 GTI à 290 chevaux, ça consomme combien par... au litre? Là on a 14 litres en moyenne. Ouhouhou, 14 litres au 100 les gars, c'est un truc de fou. Si t'accélères un peu, regarde, bah, on va mettre la consommation instantanée, regarde. 40. What the fuck, 40, mais ça monte plus haut du coup. Ah ouais, il a fait une petite accélération les gars, il est juste à 70. Ouais. Ah ouais, c'est abusé en fait, c'est abusé de chez abusé. Bah écoute, je te propose de retourner, je pense que tu reconnais le chemin ici. Ouais, c'est bon. Et je vais prendre la bête en main. Alors en un mois, donc tu sois transparent avec nous, hein, combien tu mets en essence? En essence? Si tu roules vraiment, alors, genre tu te fais plaisir. Bah alors vu que je me fais plaisir tous les jours, que je la roule tous les jours. Ouais. Je pense que je suis à 700-800 euros d'essence par mois. Parce que, dis-toi. Oh my god. J'ai plein vendredi soir. Ouais. Bah, du coup, j'ai été au Luxembourg, j'ai mis le plein. Ouais. Et du coup, hier soir, bah, t'as bien vu, j'ai remis de l'essence. Oh shit. Parce que j'avais 700. Plus alors, c'est combien le plein, dans une voiture? Alors, comme ça bah, c'est... Parce qu'on rappelle que 85 l'essence. 5 euros. L'essence en ce moment, il est en train de grimper à mort. C'est ça. Même moi, gros, laisse tomber, ça me fait mal. Alors, 85 ouais. euros. 85 euros, ouais. Oh. 800 balles. 800 balles, ça fait combien à l'année ça? 8000, mais t'achètes une deuxième Golf, gros, en 5 ans. C'est abusé en fait, le prix d'assurance. Ouais, c'est abusé. Combien tu payes d'assurance par mois? Moi, je suis à 180 euros d'assurance par mois en deuxième conducteur. En deuxième parce conducteur. Parce que du coup, la voiture, je l'ai mis au nom de ma mère pour réduire le prix. Parce que sinon, j'avais fait la demande pour mettre moi en premier conducteur, j'étais à 400 euros par mois. 400 balles par mois? Ouais, là, je suis à 180. Ok. T'étais à peu près comme moi sur les RS3. J'étais à 180 aussi. 180. Ok, bon, 180 euros, ça fait quand même, avec l'essence, ça fait quand même 1000 euros par mois. C'est ça. À c'est gauche, ça. À gauche. Ok, et eh bien écoutez. Ouais, c'est des voitures à assumer, ça. Je vais conduire pour la première fois de ma vie. Oh, j'ai hâte. Bon, ok, les gars. Clément va nous faire un petit lunch control. Lunch control, magnifique au Babéné. Il y a le soleil. C'est quoi de ça les gars? Eh franchement Golf, magnifique. Ok les gars, c'est à mon tour de tester la bête. Première fois, comme j'ai dit mille fois dans cette vidéo. Comment ça se passe alors? Donc là je suis en P, voilà, en mode parking, en P, c'est ça. Donc j'appuie ici. T'appuies là, voilà, sur le et je la mets en D. Bon, en D, voilà. J'ai envie de dire, car c'est une boîte basique. Voilà, boîte auto normale. Oui, là, 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 là. Ça c'est de la bête les gars, ça c'est de la bête. Alors j'ai un truc que j'ai envie de tester sur la Golf, c'est les palettes au volant. Les palettes, donc pour mettre les palettes, tu décales sur la droite le pommeau de vitesse. Okay. Première accélération les gars. Ah oui, c'est... Je suis à 100, j'ai même pas accéléré 2 secondes les gars. Ouh, wow, t'as mis le launch control ou quoi? Non. Non, mais gros, c'est quelle part? Ah ouais, faut la contrôler. Hein. T'as vu, ouais, c'est joueur. Ah, c'est parce que t'avais enlevé ouais, la stabilité. Mais c'est joueur comme voiture, sous la pluie, c'est... Ok. Je vais faire un demi-tour. Ça joue. Ok, ouais, ouais, bon, il avait envie. J'ai direct senti que la voiture, elle partait un petit peu en freestyle. Et bon, après, c'est facile de perdre le permis avec ça. Wouhou.
vraiment beau les gars, magnifique. Bon, je vais tester les palettes, voir ce que ça donne. Alors pour, tu m'as dit comment on fait pour mettre les palettes, tu mets donc du coup le truc de vitesse là, tu le décales sur la droite. Voilà, attends. Je peux le mettre comme ça en ouais, mode roulé ça, ouais. À droite comme ça. Voilà. Et là je suis en palette. Là t'es en palette là. Ok. Alors ce que j'aime bien dans les palettes, c'est surtout les bruits des. C'est ça. La sortie de peau quoi. Ça marche hein. Attention, attention les gars. Oh là 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 là. Franchement, je suis vraiment pas déçu de Golf là, honnêtement. Non, c'est vrai que celle-là elle est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, elle est très très belle. Pour l'instant, t'as pas eu d'entretien à faire dessus? Si, j'ai déjà changé les disques. Bon, je vais la conduire un peu en ville pour voir ce que ça donne. Écoutez-moi ce bruit les gars. Oh là là, j'aime trop. Bon du coup le ressenti les gars que j'ai sur une Golf, parce que je l'ai dit hein, c'est pour moi une première fois. Alors déjà honnêtement je suis assez surpris du bruit. Alors on n'est pas sur un bruit de RS3 non. Parce que j'avais aussi conduit une Lamborghini clairement. Mais franchement elle envoie du pâté les gars, et surtout le les sorties ouais. De peau, c'est ça pète quoi. Et tout est d'origine. Tout est Il n'y a aucun modif dessus là. Regardez le bruit. Ce que j'aime bien c'est le bruit tu sais quand tu passes de. Ouais ouais. Et Tesla. Toi tu roules en palette ou tu roules en. Moi je roule en palette. Ah ouais? Ouais. Que même moi ça me choque en fait alors que c'est ma voix. Parce que je suis pas habitué à monter en passager moi. Ah ouais? C'est la première fois qu'il la donne à quelqu'un ou pas du tout? Non non je l'ai déjà donné mais. Ah mais là t'as fait un vrai pilote là, attention. Hein. Ouais. Non honnêtement, très très surpris. Très très surpris. C'est une première et pour moi c'est magnifique. Après en ville, bon on va éviter de conduire à fond parce que c'est ça. En ville quoi. Donc on va rouler normal. Très très bonne tenue de route, elle est magnifique, le bruit est incroyable. En termes de confort, on est plutôt bien. On est bien. Franchement, je suis plutôt bien. Je suis bien installé, il n'y a rien à dire. On a tout à disposition, on a notre petit écran ici pour faire tout ce qu'on a à faire. GPS, etc. Je sais pas comment il s'allume. C'est comme ça. Hop. Voilà, t'as Apple Car, c'est vraiment. Ça, c'est ça GPS, navigation. Ouais, t'as vraiment tout. Ouais, t'as tout. T'es bien quoi, t'es au max. C'est ça. Ok, bon bah du coup tu peux me filmer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars. Clément, merci de m'avoir ramené cette magnifique, ce magnifique bijou. Bah de rien. Je vais un petit peu rouler puis je vais lui laisser le volant. Bah on va aller attaquer le montage. Et un mot à dire pour la fin Clément. Et bah un petit Instagram à partager, un truc. Non même pas, c'est bon. Voilà, il est bien Clément les gars. C'est ça, hein. Je rappelle un truc, c'est que Clément il joue avec nous sur PS4 les gars en 2013. C'est que 2014 2015 16 ouais, ouais, 2000, ça fait fin 2015 fin 2016 ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps effectivement. Okay. Et voilà bah merci à toi et puis première voiture magnifique, j'espère que tu en auras une deuxième plus tard, une un peu meilleure. C'est ça. Est-ce que t'as un rêve de voiture, enfin que t'aimerais bien un rêve rêve ultime? Non mais un truc que tu veux acheter. RS3. La nouvelle? Non pas la nouvelle. Je préfère les anciennes moi. Ouais c'est vrai que les anciennes sont mieux. Bah, après la nouvelle elle est magnifique. Elle est belle mais je sais pas les anciennes elles font plus de bruit et tout. Ok pas mal. Eh bah écoute on fera ma course avec ma future voiture alors. Exactement. Je ne spoil pas mais elle va être pas mal. Bon sur ce ciao tout le monde, abonnez-vous, pouce bleu, ciao.